Bună ziua, eu sunt Nicola. I don't speak Romanian, I'm sorry. I can continue in French. Je suis très très heureux de découvrir cet orchestre, participer à ce concert, de passer cette semaine à Bucarest. C'est ma première fois en Roumanie et je suis émerveillé. Aussi par la qualité de cet orchestre et avec ce programme qui mélange des œuvres très Europe centrale et puis Russie évidemment, mais je pense notamment à Liszt qui est donc né en Hongrie, Autriche à cette époque-là, ça change, mais qui vient jusqu'en Roumanie et qui a vécu très longtemps à Paris aussi. Et justement, ces préludes de Liszt sont inspirés par un poème d'un poète français, Lamartine. C'est une réflexion sur la vie et sur la vie est parfois heureuse. Des fois, elle nous donne des coups très durs. Et c'est en récupérant notre énergie qu'on arrive à reprofiter de la vie. Et ces préludes de Liszt racontent en musique cette chose-là. J'aime beaucoup ce compositeur et j'aime beaucoup cette musique qui est très très bien écrite pour orchestre. On connaît le Liszt au piano, mais c'est un orchestrateur génial. Sara și Deborah Nemțeanu, ne-am născut în Franța, dar de părinți români. De asta e mai bine, vorbim românește, dar cu un pic de rușine. Mai bine să facem interviu în franceză. Suntem foarte mândru să fim invitate, mândre, să fim invitate la București cu orchestru foarte frumos și bun din George Enescu. On vient avec grand plaisir avec Nicolas Simon, interpréter le concerto, double concerto de Martinu et le concerto de double concerto de Bach. Voilà, toutes les deux. On a commencé le violon avec notre père à 4 ans et... 4 ans. Cântăm împreună de când suntem foarte mici și pentru noi să cântăm împreună este ca e ceva natural. Și când suntem pe scenă în România cu rădăcinile noastre este și mai special, da. Mersi frumos.
we are very proud also to bring Martinu, concerto for two violin, pentru că este prima oară că concertul ăsta cred că o să fie cântat aici, în Ateneul, și cred că repertoriul este foarte important de descoperit pentru toată lumea. Este un concert foarte dansant și folcloric. Da, și ne vorbește foarte mult langajul ăsta de muzică pentru mine și pentru Deborah. Jouer cette musique bohémienne, c'est pour moi beaucoup d'émotion, et de le faire aussi évidemment avec Sarah et Déborah, c'est encore plus de plaisir. Sarah et Déborah, je suis violoniste aussi, et on était au conservatoire ensemble avec le même professeur, et c'est très émouvant de les retrouver maintenant. Ce Tchaïkovski qui est peut-être la meilleure musique pour le temps de Noël, je trouve. C'est une musique qui a gardé son âme d'enfant. Tous ces tableaux merveilleux, quand on entend la musique, on voit des bonbons, on voit la neige, on voit la lumière, ça scintille. C'est aussi extrêmement bien écrit pour l'orchestre. Chaque pupitre est mis en valeur. C'est une pièce qui est vraiment un bonbon, je pense, pour terminer cette saison avec l'orchestre. Et donc je me réjouis grandement de ces deux concerts à venir qui me procureront, je pense, beaucoup de joie, autant de joie que j'ai eu à répéter avec ces formidables musiciens jusqu'à aujourd'hui.